Bonjour YouTube. C'est parti pour The Lost V2. Donc c'est parti pour... entre 10 et 20 morts. Donc The Lost V2, qui n'a pas de points de vie, et... qui n'a rien d'autre que ses points de vie. Que c'est... voilà, qui n'a rien d'autre. Il a pas d'Olimental, et voilà. Il vole, tir spectral, et dans ton cul, Lulu. Tout simplement. Ok. Régénérer des non-points de vie. J'adore ma vie. Deux clés. Là, il y a des trucs avec des machins. Bon, je peux pas aller là-dedans, sinon je vais mourir. Bon, j'ai mon Elemental, mais bon, j'ai envie de le garder pour toute la game. J'ai deux bombes. Je pourrais essayer d'aller ouvrir les coffres là-bas. Oh, ça c'est extraordinaire. Alors ça c'est magnifique, un Holy Mantle par étage. Déjà ça commence bien. Ce qu'il nous faudra c'est une bibliothèque avec un Book of Shadow ou un Book of the Dead. Oh, le broken modem qui peut être pas mal. Leur trinket pour lui. Ouais. C'est au secours. Oh, le broken modem qui carry. La pilule du schnapps, on va tester, hein. Elle sup. Tellement mignon. Ok. Hume. Mais casse-toi! Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Mais. Ok, j'ai compris. Faut pas essayer de la bourrer là parce que. Elle aime pas qu'on la bourre, hein, visiblement. Le stapler. C'est ok. Beaucoup de dégâts. Let's go. On va peut-être se tenter un boss rush si on est des fous furieux. Et si on a un Book of Shadow. Ou si on a un objet, enfin des trucs un peu broken. J'ai récupéré mon Holy Mantle. Blague. Ok, deux cœurs bleus inutiles. Là c'est inutile. J'ai une bombe. Le rocher marqué, c'est un peu inutile avec The Lost parce qu'on peut juste avoir le small rock. Et il y a très peu de chances de l'avoir. Okay. Là j'étais obligé là. Le genre de salle j'étais obligé. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle est censée sauter sur moi. Ok. Le Lemon Party là, qui met une grosse flaque de pipi par terre, qui fait du bon DPS en vrai. Donc ça peut être utile contre les boss qui sont pas volants. Donc les boss terrestres. Élémentaires. La pilule à la con, mais j'ai toujours la même pilule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon,
Quel modèle est pas mal. Il me faudrait une bibliothèque là, un Book of Shadow, il me faudrait un truc là. 3054, on a 0 sous. On peut partir par là. Oula. Dommage, il n'y avait pas grand chose. Après, je pourrais tenter de trouver la salle secrète, mais avec... avec une bombe. Je sais pas si c'est vraiment ce dont j'ai envie. Hein. Alors ça, c'est le Dingle foncé. Sa variante, c'est qu'il rush une fois. Par contre, il rush très vite. Et il balance ses larmes tout autour de lui. Et non pas juste trois larmes devant lui. Ok, le juge Jésus. On va jouer Godroom ou David Deal. On peut jouer David Deal, hein, y a pas de souci avec Zolos parce que... Quoique, parce qu'avec Zolos, ce qu'il nous faut surtout, c'est de la défense avec Zolos V2. C'est de la défense avant tout. Donc je pense qu'on va pas jouer David Deal, on va jouer Godroom. Curse of the Lost de ces grands morts. Oh, il peut y avoir des trucs bien là-dedans. Des trucs nuls. J'aime pas quand je prends un objet là qui met le... L'affiche au milieu de l'écran là. Ah non, oh non, au secours, je vais mourir, c'est acté, j'ai prêt. C'est bon, c'est la mort, c'est le décès, c'est la mort du décès. Ok, ça va. Heureusement qu'ils sont ralentis par le broken modem. Hein. Casse-toi là! Inutile. Ok. Celle de mort. Bon bah j'ai fait les trois trucs qu'il fallait pas aller. Super. Troll bombe. Y'a pas de café. Faut pas hésiter à se servir des précipices et des rochers hein, pour survivre. À The Lost V2. Trois pilules, 3 health up. Non mais le jeu se fout de ma gueule. Bon. Une salle de dés. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je sais pas moi. Peut-être un D4. Si l'objet est nul. Si l'objet est nul, go reroll. Et où déjà et voilà. Le Mongo Baby il est plutôt fort. Hein. Ok, l'objet est là. Ah mais putain. Ça non. Ça c'est fort en vrai. Hein. Ça en vrai c'est fort. C'est fort, mais pas contre les ennemis au sol. Après, si maintenant, ça met du poison sur les ennemis qui volent, alors qu'avant, non. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je dis peut-être des conneries, je suis pas sûr de l'histoire du... Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh là là, il a fait une prank. Hive Mind.
Il n'y a pas de bibliothèque, dommage. J'aurais bien aimé avoir une bibliothèque. De toute façon, il faut une bibliothèque avec The Lost V2, sinon t'es... Ouais, bah, t'es... Non, tu t'étais. T'es. Qui snipe. On est mal propre. Lemon Party. Ok, tir spectral, j'en profite. Tears up et la Wooden Cross et le A+, mais la Wooden Cross est tellement plus puissante. Oh, ça c'est très fort, ça très très fort. Ah non, ça les empoisonne pas, hein, donc c'est des conneries. Hein. Ah, maintenant, il faudrait le Sacred Hearts. Un petit Sacred Hearts. Et tout le monde est content. Minutes 45, j'en suis à quoi? Faut que je me dépêche un petit peu quand même. Combien de temps le slow? Ouais, pas beaucoup. Oh, c'est très... Oh, c'est quoi ça? Backup, you feel protected. C'est quoi ce truc là? You feel protected, j'aime bien moi, j'aime bien ce genre de description. J'aime bien la description du feel protected. Ça me plaît bien. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Non mais pas lui là. Non. Ah oui, mais d'accord, ceux qui font pop, ils sont pas ralentis, quoi. Nul. En vrai, j'ai compris, Vic. J'ai compris ce que ça veut dire better item. Enfin, je pense. Tu prends un demi-cœur à la place d'un. Comme ça veut rien dire. Hein. You feel protected de Virgo, c'est pas ça. Le cancer, bah, c'est d'abord il faut prendre un coup et après c'est un demi-cœur. Il y a des trucs, ça te donne des boucliers aléatoires. Ça veut rien dire. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Est-ce que tu arriveras à deviner? Non mais là, non, cette devinette elle est facile. Oh, ça peut être fort ça. Vas-y, je prends.
Better item qui donne deux clés à place d'une. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est le broken modem, ça. Non, c'est le broken modem qui fait dropper des trucs en double, des fois. Non, non, je pense que le better item, je suis presque sûr, d'ailleurs, c'est qu'il donne jamais d'HP up. Il donne jamais d'HP up. Et il te donne pas des trucs... avec des cœurs bleus, genre le pyjama. Tu vois? Je pense qu'en fait, il te donne que des objets qui sont utiles pour The Lost. Je pense que c'est ça. Oh, toutes les araignées. Parce qu'il donne jamais d'HP up. Même quand on fait un mendiant, quand on donne de l'argent au mendiant... Salut Kylian, ça va? Même quand on donne de l'argent au mendiant, qui en général donne une fois sur... Enfin, la plupart du temps donne des HP up, il n'en donne jamais. Il donne que la boussole ou la map, ou des trucs comme ça. Ah! Putain, j'ai failli avaler... Mon coca a failli revenir dans mes trous de nez quand j'ai avalé. Quelle horreur. Bordel de merde. Je vais me faire tuer par mon coca. La Bible. Oh la Olka. Oh. Ça va, on est en train de faire The Lost V2. Avec The Lost, c'est souvent des HP up. Ouais. Là, t'en as jamais avec The Lost V2. T'as jamais de HP up. La Holy Card. Et la Holy Card, souvent, elle retombe dans les shops. Ou dans les trucs comme ça. Donc, je pense que c'est... Voilà. Je pense qu'il y a un lien. Un petit small rock. Un petit small rock. de rocher. Non, à gauche, non. Go. Small rock. Un petit rien du tout, on se casse. Oh, du tears up. Oh, du début de mes couilles. On va voir ce qu'il y a. Instagram. La Gothead. Gothead? Pourquoi? Mais Gothead, après, je vais avoir que des Devil Deal. Et il me reste pas beaucoup d'étages. Moi, j'aimerais bien faire un petit boss rush. Alors que le pentagramme, avec la couronne que j'ai, ça va mes dégâts vont scale. Et la Gothead? Ouais. Je sais pas. Là, on est où, là? On a catacombe 2, donc il me reste 2 trucs. Après, le problème de la Gothead, c'est que si je peux tomber sur Krampus aussi dans les trucs, tu vois. Après, le pentagramme augmente... Dis-toi que ça te donne des objets de débiles gratuits comme ça. Ouais, mais ça peut être de la merde aussi. Parce que c'est gratuit, que c'est bien. Alors que le pentagramme, c'est gratuit, c'est excellent, ça augmente les dégâts, c'est ce que j'ai besoin pour tuer les boss le plus rapidement possible. Et ça permet, ça augmente aussi les chances de Devil Deal, le pentagramme. Bah, en fait, The Lost V2, il a plus le Holy Mantle. Donc, c'est le... Voilà. C'est... C'est un peu de la merde, quoi. Il a plus le Elemental, du coup tu te fais toucher une fois, t'es mort. Et du coup le principal objectif, c'est de trouver des objets défensifs. Est-ce que je prends ça? Je vais prendre ça avec les mouches que. Avec toutes les mouches que j'ai là.
essayer de faire toucher. Avec les dégâts que j'ai, les mouches vont faire... Oh non, 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 par pitié. Le triple pin. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Je vais me faire toucher à la fin. Il faudrait la stopwatch. Wizard. Ah oui, j'ai le stapler. Donc le Are You a Wizard, il va tirer que d'un côté. 14 minutes. Je me dépêche. Je peux pas jouer comme ça. The Stars. Il me faudrait une... un Algiz. Bon. The Moon. Il est où mon Elemental? Putain, il y avait un truc là. Il est où mon Elemental? Il est à gauche là-bas. Je vais être troqué pour un autre truc. Il y a un objet là-bas. Il est là? Oui, il est là. Holy card. Bah quoi là? Ah oui, c'est mon truc de merde. Je vois qu'il y a le modem qui casse tout. Grave. Quoi, là peut-être une trappe qui mène à un objet. Un bon objet. Un objet activable ça ou quoi? Nul. Ça peut être marrant, au début de chaque pièce, je suis invisible et du coup les ennemis sont confus, savent pas où je suis, donc ils vont pas me rush tout de suite. À partir du moment où je tire, là, ils vont me rush. Nick. 16 minutes, faut que je me grouille. Hein. Ah, faut que je me grouille. La boule de bandage, ça peut être sympa. Objet défensif. Ah non, dans le noir, mais sérieux quoi.
Oh la Curved Horn. Oh la Chaos Card. Oh. J'ai encore une autre Holy Card. T'as vu, Vic le Viking, des Holy Cards, on en drop très souvent. C'est ça le Better Items. Par contre, j'ai le... J'ai la Chaos Card que je peux même pas porter. J'ai la Curved Horn que je peux même pas avoir. Après, niveau dégâts, ça va. Entre 20 et 22, on s'en fout. La Chaos Card abusée. Oui, mais pas contre le Boss Rush. Donc, le Boss Rush, c'est de la merdasse. Il va me tuer. Allô? Oh le planétarium! Oh putain! Oh grâce à la headshot Magic 8 Ball. Non, ah non, je crois que c'est le truc nul ça. Non, je crois que c'est le truc bien, au contraire. Saturnus. Elle a failli me toucher. Comment elle a failli me toucher? Oh oui. Objet défensif, magnifique. La Datsuki. Oh putain, la Datsuki qui pourrait tellement servir à plein de trucs, bordel de merde. Mais on n'a pas les mêmes runs. Eh oh, Atorian, regarde. Regarde ma feuille, là. Elle est vierge. Hein? Je suis mort combien de fois avant d'avoir des runs? Et puis voilà, parce que vous savez pas au petit les héros. Vous savez pas au petit vos runs aussi. C'est pas ma faute, moi. Fais-moi ça. Forever. Magic moche. Ok, bon j'ai pas le temps, il faut que je me casse. J'ai pas le temps. Je dois me casser. Stopwatch. Ça donne quoi ça? Ça donne quoi ça ici? Des pièges, j'en ai rien à foutre. minutes, je vais pas aller au boss rush. Ah si. Pas savoir opti sur RNG, c'est my bad. Bonne nuit Atoria, des bisous. Tout Spooky for me ou le truc qui permet d'avoir des dégâts. Le tout Spooky for me peut être cool s'il y a des ennemis qui me rushent dessus, mais le problème c'est que pendant leur boss rush, va pas y avoir trop d'ennemis qui vont me rusher dessus. Je te prends ça et puis Nick. Que la bite. La Angry Fly, elle peut faire quoi? Elle peut pas. Putain, en plus, je suis dans le noir. Qu'est-ce que. Absolument que je les tue ceux-là. J'ai envie de crever, je vais mourir. Arrête d'invoquer s'il te plaît.
c'est lui. Pas lui. Pas lui, pitié. Il est où? C'est qui l'autre? Ok, c'est The Blood de mes couilles. Ah, attention dans les... Ah non. Lui, il faut que je le tue, lui. C'est bon que je le tue. C'est quoi ça? Ça part. Non, c'est quoi? C'est l'épine? Oh, l'épine est énervée. Ok. Allez, meurs. Mais ils sont combien là? Mais vous êtes. Ok. Le broken modem qui fait bien le café quand même. Nickel. Un truc chiant en moins. Mulligan. Il y avait Mulligan? C'est pas Mulligan ça. C'est pas du tout Mulligan hein. Ça c'est Angry Fly. Little Brimstone. Un peu de la bite. Par contre j'ai plus mon Holy Mantle hein. Je vais l'avoir au prochain étage. Ok. Est-ce qu'on part sur une run normale? Je suis à combien? 22,49. Il y avait Mulligan dans les 4 objets. Il y avait Mulligan? Mais depuis quand? Mais non, il n'y avait pas Mulligan. J'aurais pris Mulligan. T'es sûr? Un peu fumé la drogue du mauvais shit. Si. Mulligan, c'est la mouche bleue avec un trou au milieu. Hein. Ah non, c'est parasitoïde. Ah non. Ah non, mais Mulligan, c'est de la bite en bois. Hein. Moi, j'aime pas trop. Hein. Ça fait quoi, Mulligan, déjà? The world. C'est parfait, ça. Il était en haut à droite. Ça fait quoi, Mulligan, déjà? Je confonds avec parasitoïde. My bad. Heureusement qu'il est heureusement que j'ai ma wooden cross hein, putain, mais je me suis fait toucher mais tellement bêtement quoi. Il faut que je me mette en position, en position méditation. Il peut y avoir un truc bien à gauche. Il y a que des ressources. On va aller au boss direct.
La range, ça m'intéresse pas, je suis déjà 11, 75. Pas de rocher marqué. Après, en même temps, rocher marqué. Hush, je pense que je vais avoir du mal à le buter. Je vais avoir qu'une chance de le. Oulala, 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 la pire salle. Le cauchemar. Hush, si j'ai pas... J'ai pas le... Si j'ai pas le bon pattern... J'ai pas les, le bon truc... Ok... Oh, The Pact... The Pact. Non. Ok, on va tenter Hush. Let's go. Il nous faudra une Holy Card. A chaque ennemi que tu tues, Mulligan a une chance sur deux de faire spawn une mouche. C'est pas une araignée? Et oui, ça me dit quelque chose. Attendez, je reviens. Et re... Contre Hush, ça va être complicado. Des objets nuls. Moi, je vais black runer J'ai à fond anti-rate là, non? Oh là là, j'ai tellement d'objets de T-rate alors que je suis déjà à fond. Oh, j'ai tellement envie de canner. Est-ce que je black runerai pas ça? On sait que j'allais me faire black runer, hein. De dégâts. La shot speed, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Je vais essayer de mettre de l'argent là-dedans. Je vais mourir de toute façon. Spoilers. Mais, non mais, repense ça. Ok, let's go. J'avais oublié que j'avais ce brimstone nul. Ah mais non, le broken modem il va foutre le bordel dans le pattern de Hush. Oh non, j'avais oublié ça. Je vais être dans la merde à cause du broken modem là, qui va foutre la merde. Oh non, il va ralentir des trucs et pas d'autres trucs. Du coup, je vais... Du coup, ça va niquer le pattern et il y aura des situations où je pourrais rien esquiver.
mouches. J'ai pas assez de dégâts pour les mouches. Ok. Là, je ne bouge pas, ça devrait être bon. Hein. Je n'ai pas bougé. Hein. Là, normalement, je bouge pas, il devrait pas me toucher. Non, pas ça, s'il te plaît. Non, au secours. Je vais mourir. Je vais mourir, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais il réinvoque des trucs, arrête! Arrête les invocations s'il te plaît. Non non non, j'ai pas bougé! Normalement ça marche pas comme ça. Normalement si je bouge pas c'est bon. S'il vous plaît. Ah non s'il vous plaît. Non s'il vous plaît. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Non mais il y a eu un bug hein. J'ai pas bougé et son pattern de boule violette m'a touché quand même. L'arme a une chance sur 6 de faire apparaître une mouche bleue lorsqu'elle touche un ennemi. Une chance sur 6? Putain, c'est pas terrible. À mon avis, avec la lock, ça doit augmenter, non? Ok, donc on a pris quoi? On a pris le négatif. Bah, let's go. On va pas faire délirium, hein, parce que... Crack the Sky est fort. Ouais, mais Crack the Sky est fort, mais j'utilise une fois et puis c'est tout. Je vais mourir. Il me faut une autre holy card là. Ah oui d'accord, ok. Ah oui d'accord, ok. C'est ça ma vie. Une petite sacrifice room là? Pour mourir instantanément? Le broken modem qui fait le café. Déjà le boss là? Bah si, let's go. Dommage que j'ai pas eu les deux morceaux de clé pour mes caisses à temps, mais bah, je dirais la succube. Hein. Ou alors, Mongo Baby pourrait être conjoint Ned. Bah, je pourrais être conjoint Ned avec les deux là. Avec le multidimensional baby et la succube. Mais la succube, elle va être surpuissante. Hein. Mais le problème, c'est que si je suis conjoint Ned,
Ça va me baisser mon mes dégâts. Après, l'épée de Damoclès peut être cool parce qu'à chaque fois que j'ai l'objet, j'ai le choix entre de prendre un objet. L'épée de Damoclès m'en donne deux. Mais ça, ça marche que pour les items room, il me semble. Pas dans les coffres. La succube, je dirais la succube. Hein. La succube, elle va être plus utile, vraiment. Ou le multidimensional baby. Ouais. Ah, si je... Voilà, si je me place en plus dans son truc. Okay. Elle peut rentrer dans le... Elle peut rentrer dans le prisme. Enfin, dans le multidimensional baby, mais mes larmes là. Tac 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 tac, je peux les multiplier à l'infini, je crois. Ok. Marche ça? Oui, non, mais c'est mieux. Bruc. Je pense que si t'avais ouvert un coffre et puis directement pris l'objet et fait comme ça avec chaque coffre, t'aurais pu tous les avoir. Pas, hein. C'est comme le Devil Deal. Hein. T'as beau avoir pris, t'as beau prendre un objet avant ou pendant ou après ou n'importe quoi, c'est un, tu choisis un dans la salle et puis c'est tout. Donc je suis pas sûr de ta théorie. Oula 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 là. Le Tunis qui m'a un carré lion. Un petit méga Satan là, en vrai, je dis pas non. Encore. Mais donnez-moi des coffres là, bande de. Hein? Je peux dire le gros mot là, parce que bon. C'est quoi? The Moon. The Moon. The Chariot. Oh, The Chariot, ça peut être bien. Ça peut être très 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 bien contre le boss de fin. Vas-y, je prends un cœur éternel, comme ça, ça va être super génial. C'est des coffres à la base, donc peut-être pas. Non, moi, je pense que ça change rien. Parce que sûr que ça change rien. Je me suis fait toucher. J'ai plus mon Elemental. C'est à cause de ce gros connard qui a sauté comme un gros sac à merde. Où je reste concentré. J'ai été déconcentré. Ok, alors, zéro objet, j'ai eu zéro objet. C'est extraordinaire. Vu que j'étais en camo kid, j'ai pas vu que je clignotais. J'ai pas vu que je clignotais vu que j'étais en camo kid. J'étais transparent. J'étais couleur unique, unicolore, unicolore red. J'attendais de clignoter, moi, pour me barrer. Au revoir, YouTube.